Jour 8 du voyage, nous sommes à Évora. C'est une ville avec une chapelle avec plein de restes humains. Ça a l'air d'être assez glauque, donc on va aller voir ça. Donc c'est celle-ci, alors la fameuse chapelle des eaux. Alors pas où on passe. C'est glauque, hein. C'est super glauque. À la base, du coup, ils étaient pendus au mur. C'était que... C'est vraiment dégueulasse. Bon, bah voilà, je vais le redire, mais c'est glauque, hein. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui en ce dimanche de Pâques. Cette coiffure de BG. Je viens vous donner des enfers. Sexy lady. On est tombé sur une station-service complètement débile dans son fonctionnement. Il faut d'abord aller au guichet pour dire combien on veut mettre. Et après, il faut remplir. C'est complètement débile. C'est long en tout cas. Alors? Il faut choisir un montant en fait. C'est débile. Mais du coup, je comprends pas. Enfin, si je mets pas autant... Mais du coup, si t'as moins que 60, comment ça se passe? Bah j'espère qu'on a plus que 60 alors. Ah, on était dans la réserve. Donc... Ça devrait stopper normalement. Ouais tu vois ça stoppe, ça ralentit. Mmh. Ce midi c'est pastiche. Des bananes et des nattes encore. À la cannelle et puis au sucre glace hein, pour goûter tout ça. Ça va être pas mal le sucre glace. Bon on confirme notre choix d'hier, le pastiche des nattes est meilleur je trouve. Par contre il faut les manger assez vite parce que visiblement la pâte elle est beaucoup plus molle très rapidement. Il ouais, y a du monde, hein, c'est impressionnant. Les bateaux, ils ont pas peur de rentrer là-dedans, ça a pas l'air d'être très profond. Hein. Il doit y avoir des petits randos parce que sinon, hein, tu t'échoues. Et quand c'est pris en Bretagne, on a pris des chaussures kayak. Et c'est franchement bien pratique.
est arrivé à l'hôtel. Une sorte de guest house en plus avec une piscine. Apparemment on a le droit d'aller à la piscine jusqu'à 23h30, donc ça nous arrange parce qu'on n'est pas très tôt et qu'on a encore des trucs à faire. Bon, c'est joli, mais c'est un peu dommage qu'on arrive un peu tard parce qu'on n'a pas la lumière du coucher de soleil. Donc de lumière, je trouve. Prendre le temps d'apprécier le moment présent, carpe diem. Allez, tout le monde ferme les yeux, on se détend, on fait les mouvements, doucement, main en avant, et on va vers la gauche, encore, main en avant, et vers la gauche, c'est bien, bonne nuit. C'est plus joli qu'hier, c'est ça la taille des blocs qui tombent. Des taches de rousseur, mais oui, mais c'est pire en pire. Hein. C'est vraiment très très blanc la maison. Nous quittons le Portugal, direction l'Espagne maintenant.